Dans cette vidéo, il y a deux pets exclusifs à gagner. On a en premier le nouveau Kitsune, les gars. Il fait partie des œufs trous noirs et c'est le plus rare des trois exclusifs. Hop, des gemmes gratos. Donc regardez, il est juste là, le Kitsune. 13% de chance de l'avoir. Il vaut 6 400 000 gemmes. Et on a le petit dragon Dracaufeu, juste ici. Dragon galactique, que je crois Phoenix m'avait donné pour les abonnés. Et ça fait longtemps et j'avais oublié de vous le faire gagner. Et celui-là, il vaut 3,2 millions de gemmes. Et pour participer, c'est très simple. Vous me dites votre pseudo Roblox et lequel des deux vous voulez. Bonne chance à tout le monde, les gars. Dans la dernière vidéo où j'ai eu un Titanic, il y avait deux pets à gagner. Et donc aujourd'hui, parmi tous les commentaires, on va tirer au sort les deux vainqueurs. Du coup, c'est parti, on rentre l'URL de la vidéo YouTube et on fait Select Random Comment et Rumble Spammer. Moi, s'il vous plaît, un des deux, peu importe, mon pseudo c'est ZFR Ryan. Ok, et ben on va tirer au sort le deuxième et on va voir ce qu'il veut. Donc c'est parti pour tirer au sort le deuxième vainqueur et c'est Ernoz. Je voudrais l'Axolot, s'il te plaît, mon pseudo Ernoz. Ok, du coup on va envoyer l'Axolot à Ernoz. Donc c'est parti, on est directement en jeu. On va dans la boîte aux lettres, on écrit son petit pseudo, Ernoz, et on lui envoie l'Axolot. GG, tu as gagné. Envoyé, oui, oui, tadam, cadeau envoyé. Et donc c'est parti pour le deuxième vainqueur, ZFR Ryan. Et on va lui envoyer le Black Hole Angelus. GG, tu as gagné. Oui, envoyé. Deuxième cadeau envoyé. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous ceux qui m'ont fait des cadeaux, les gars. Regardez-moi tout ça. Vous vous reconnaîtrez dans les commentaires. Il y a tous vos pseudos en plus. Et si vous aussi, vous voulez m'aider ou alors participer à la prochaine vidéo, n'hésitez pas en écrivant Prince END. Merci tout le monde. Les gars, les gars, les gars, what the fuck. Attendez, je lance la vidéo. Je viens de packer le kangourou. What the fuck. Putain, les gars. En fait, je vous ai... Attendez, je vais vous expliquer. Attends, déjà, je vais baisser un peu ça, parce qu'on m'entend crier. Je vais vous expliquer, attendez. Oh, purée. Let's go, les gars, je suis trop content. Oh, mec, en plus, les gars, j'ai eu l'animation. Oh, j'ai eu l'animation, je suis trop refait. Attends. Oh, purée. Regardez, les gars. Attends. Il est juste là. Huge kangourou. Bon, il est niveau 1. Je viens juste de le pack. Il a son petit cadenas. Purée. Oh. Oh là là, les gars. Oh, je suis trop content. Les gars, en fait, je vous explique. Je vais tout vous expliquer. J'étais en train d'ouvrir des petits œufs. J'étais en train d'ouvrir des petits œufs. Donc, dans le dernier œuf, les gars. Et en gros, vous voyez, il y a un nouveau huge. Donc, le huge kangourou. Il y en a déjà 3000 qui existent. Pourquoi? Parce que le huge, il est là depuis hier. Depuis hier, il est là. Et donc, il y a aussi le fluffy et le zèbre. Mais bon, le zèbre, on s'en fout un peu, même si je l'ai acheté hier aussi. Hop, le petit zèbre, très stylé. Et du coup, les gars, depuis hier, donc ça fait, je crois, 2 jours que le kangourou, il est là. Ou en tout cas, 1 jour si on compte hier. Et du coup, depuis hier, j'ouvre des œufs. Et regardez en bas à gauche, les gars, j'ai 5 heures de huge potion. Et j'avais pas que 5 heures, j'ai plus de 24 heures de potions, les gars. J'ai plus de 24 heures de potions parce que j'ai voulu acheter un maximum de huge potions. Donc les potions qui donnent 300% de chance d'avoir des huge hunters. Enfin non, d'avoir un huge. Donc voilà, c'est cette potion là, les gars. Je les ai achetées d'ailleurs à 300 ou 400 000. Donc là, elles ont un peu monté en prix, 420 000. Mais bon, ça sert à rien en réalité. Un deuxième truc, les gars, regardez-moi cet inventaire de fou. Les gars, il faut savoir que j'avais un seul livre Huge Hunter. Et bah hier, les gars, j'en ai acheté la masse. Voilà, j'en ai acheté combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8, les gars. J'en avais acheté 9, je crois même. Ah ouais, bah j'en ai même acheté 9. Mais le problème, c'est que si j'ai pas mon super magnète, bah je gagne pas de pièces. Et donc, je peux pas farmer à l'infini. Donc voilà le setup, les gars. Donc j'avais tout ça. J'avais huge potion un maximum. Plein de potions de luck et tout dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai vendu mon active huge, les gars. Pour ceux qui se rappellent, j'avais packé un Active Huge, et bah je l'ai vendu. Pour la simple et unique raison que l'Active Huge, les gars, il valait 200 millions de gemmes. Et comme le kangourou il vient de sortir et que c'est un nouveau Huge, et bah l'œuf il valait 350 millions quand je l'ai vendu. Et donc je me suis fait 50 millions de bénéfices. Et pourquoi je l'ai vendu et que je l'ai pas ouvert, vous allez me dire, pour avoir le kangourou? Tout simplement parce que si j'aurais eu le Fluffy Cat ou le Zèbre, et bah j'aurais été dégoûté.
parce que je voulais vraiment, vraiment le kangourou. Du coup, les gars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu l'Active Huge pour me faire pas mal de gemmes. J'ai acheté plein de Huge Hunter, plein de potions Huge Hunter, et j'ai croisé les doigts. Je me suis laissé mon PC tourner, les gars. D'habitude, je laisse pas mon PC tourner. Là, je l'ai laissé tourner pendant 24 heures, toute la nuit, les gars. Et je n'ai rien eu. Je me suis réveillé le matin, j'ai rien eu. Et là, je viens d'avoir l'animation. J'étais trop content. J'étais trop, 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 trop content. Genre, vraiment, sous mes yeux, les gars, l'animation. Pendant que je dormais pas, je viens de me réveiller. Il est 15 heures. Et du coup, bah voilà. Le kangourou. Incroyable. D'ailleurs, c'est mon premier Active Huge que je pack, les gars. Parce que le zèbre, je l'ai acheté à quelqu'un, les gars. Je l'ai acheté 50 millions. Il vaut 55 millions, donc petit bénéfice. Mais sinon, les gars, tous les huge que j'ai, je les ai pas pack dans le Active Huge. C'est des huge de mini-jeux, de roues, de coffres, ou le computer d'un event, dans les glitch bags, etc. Mais ça, c'est un Active Huge, les gars. Et j'en avais jamais pack de ma vie. Je suis trop content. Franchement, je suis trop content. Et d'ailleurs, je vais aussi vous montrer. Mais bon, j'ai tous les Game Pass. Mais j'ai surtout, les gars, ça. Huge Hunter. On a plus de chance avec le Huge Hunter. J'ai aussi le Ultra Lucky, le Mega Lucky. Donc je pense que ça a joué. Je vais vous montrer aussi d'ailleurs, mais juste là les gars, j'ouvre 98 œufs, vu que je suis pratiquement niveau maximum. D'ailleurs je vais bientôt farm le rang maximum, vous inquiétez pas. Du coup j'ouvre 98 œufs à la fois, donc c'est encore plus rentable. Et puis je gagne plein plein de d'argent dès que je farm, etc. Donc voilà, voilà, voilà les gars. Purée, je suis trop content. Je suis trop 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 content. Il est magnifique les gars, il est trop trop stylé. Du coup, il y en a 3000 qui existent, il vaut 85 millions. En vrai, ce qui serait intelligent, ça serait de le vendre. Parce que comme c'est un Active Huge, les gars, bientôt il y en aura 40 000 qui vont exister et il va valoir 50 millions. Donc si vous êtes intelligent, vous le vendez. Mais moi, je vais pas le vendre parce que je ne vends jamais mes Huge, les gars. Même si il vaut 1 milliard, je l'aurais pas vendu. Voilà, très stylé. Très 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 stylé. Bon bah voilà. En tout cas, je sais pas ce qu'on va faire d'autre dans cette vidéo, donc je vous laisse. Bon les gars, je suis dans la Trading Plaza et on va aller chercher le petit œuf Active Huge dont je vous ai parlé. Il est juste là. Très stylé, très stylé. Donc il faut savoir que les gars, moi j'aime bien garder beaucoup d'items pour la collection. Mais les œufs, c'est très rare que j'en garde parce qu'en fait, je craque tout le temps et j'ouvre tous mes œufs. Donc c'est très dur de résister et de ne pas ouvrir les œufs qu'on a dans notre inventaire. Donc c'est pour ça que je garde pas beaucoup d'œufs. Mais du coup les gars, l'Active Huge Egg, j'en avais un dans mon inventaire. Pour ceux qui se rappellent, je l'avais packé dans la vidéo Forever Pack. J'espère que vous vous en rappelez. Pour ceux qui l'ont vu, vous me direz si vous l'avez vu. Et donc, les gars, j'avais réussi à avoir un Active Huge dans le Forever Pack. Donc, le Forever Pack qui est juste là. Et donc, cet Active Huge, j'avais décidé de le garder. Pourquoi j'avais décidé de le garder? Pour la simple et unique raison que c'est pas du tout rentable. À l'intérieur de l'Active Huge, les gars, donc pour ceux qui savent pas, vous avez un des trois Huge actifs. Et donc les huge actifs, qu'est-ce que c'est? C'est des huge que tu peux avoir gratuitement dans le dernier œuf de la zone. Donc dans le Tech World, dernière zone, il y a un œuf qui coûte juste des pièces d'or, tu vois. Des pièces que tu as à l'infini. Et donc tu as trois huge à avoir. Par exemple, en ce moment, les gars, c'est le kangourou. Donc dans la vidéo, l'éléphant et le chat. Alors que par exemple, hier, les gars, il y avait le zèbre. Et à chaque fois, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et en gros, les huge de l'Active Egg. Regardez, ils valent pas très cher. Par exemple, le zèbre, 50 millions. Le kangourou, 60 millions. Alors que l'œuf, les gars, eh ben, il vaut 230 millions. Donc en fait, c'est pas logique, tu vois. T'es obligé d'avoir un truc pourri à l'intérieur. Alors que l'œuf, il coûte 200 millions. Donc c'est pour ça, je ne l'ai jamais ouvert. Parce que c'est pas rentable. Sauf si jamais tu l'as en rainbow, etc. Mais c'est très rare, évidemment. Et du coup, les gars, l'Active Huge Egg, quand je l'avais eu dans le Forever Pack, il valait 200 millions de gemmes. Ok? Retenez bien. C'est très important. 200 millions de gemmes. Et ce que j'attendais, moi, les gars, avant de le vendre ou de faire quoi que ce soit avec, c'était qu'il y ait un nouvel Active Huge. Et donc, justement, les gars, il y a eu un nouvel Active Huge et c'est le kangourou. Le kangourou, les gars, c'est un nouveau Huge. Il n'y en a que 5 000 qui existent, comparé aux zèbres, il y en a 40 000. Et donc, ce fameux kangourou qui est arrivé il y a à peu près 2 jours, les gars, ce que je voulais, c'était évidemment le paquet. Mais je me suis dit, est-ce que je tente ma chance et j'ouvre mon Active Huge Egg pour avoir le kangourou, sachant que si je l'aurais pas eu, les gars, ben j'aurais le seum parce que c'est une chance sur trois quand même. Une chance sur trois d'avoir soit le kangourou, l'éléphant ou le chat. Et donc, si j'aurais pas eu bah, le kangourou, j'aurais été dégoûté. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu mon œuf. Vu qu'il était plus à 200 millions, mais à 250 millions grâce au kangourou,
Bon, on peut voir qu'actuellement, il est à 230 millions. Actuellement, l'Active UJEG, il est à 230 millions. Mais moi, quand le kangourou est sorti, il était à 200, même 40 millions. Et moi, j'ai réussi à le vendre 250 millions. Donc, j'ai fait du bénéfice de 50 millions. Et franchement, 50 millions, c'est pas dégueu. Et grâce à ça, les gars, grâce à 50 millions, d'ailleurs, on peut voir que là, il a un peu baissé. Il y a un mec qui le vend 225 millions au lieu de 200, 237. Donc, c'est une plutôt bonne affaire en vrai. Ah, mais attends, mais cette personne, elle vend beaucoup de choses moins chères. Eh, c'est plutôt cool ça. Je devrais presque les acheter pour la vidéo. Mais du coup, bref, on n'est pas là pour ça. Grâce, les gars, à avoir vendu mon Active Huge Egg, j'ai pu m'acheter un maximum de Huge Hunter. D'ailleurs, je les ai achetés 12 millions, là, ils valent 13 millions. Donc, dites-moi, les gars, est-ce que je les vends tous, les Huge Hunter? Parce que j'ai eu le kangourou. Donc, est-ce que c'est encore rentable que je garde mes Huge Hunter ou est-ce que je devrais les vendre? Enfin bref, avec le profit des diamants, j'ai vendu mon Active Huge et j'ai acheté plein de livres. J'ai acheté aussi au moins une vingtaine de Huge Potions, les gars, et j'ai aussi le Huge Hunter. Et du coup, en gros, j'ai misé sur le fait d'avoir l'Active Huge. Je me suis dit, avec un peu de chance, je vais l'avoir. Et bah au final, les gars, j'ai bien fait parce que je l'ai eu. Donc je suis très très content. Je suis très très content. Donc voilà, les gars. C'est tout pour ce que je voulais vous dire. D'ailleurs, est-ce qu'on s'achèterait pas un petit œuf? Ouais, non. Faut pas que je craque. Faut pas que je craque. Je vais perdre tout mon argent sinon.